L'autre dossier député circonscription Kay Ila Vachla déploré mauvais service compagnie téléphonie mobile Digicel à Bainan Pia depuis quelques temps. Dans ce sens, député Clovis Roba mandé commission travaux publics transport et communication dans débranchant parlement pour prendre disposition yo pour inviter ministre travaux publics là Fritz Kayo pour accompagner directeur général à Konatel là yon manière pour fournir détails bay sous fonctionnement compagnie téléphonie dans pays a. En côté député Clovis Roba dans micro José Lexidor. 3 mai 2006, compagnie téléphonie mobile Digicel te paraît dans le pays d'Haïti comme yon et sauveur. Laisse ça, tout le monde te prend téléphone comme celle, téléphone Haïtel, yon voue jeté pour ramasser boîte téléphone Digicel qui te vini comme une compagnie téléphone qui vini aider malérac, malérez aider tout le monde gagne facilité dans sa créer communication. Eh bien, tout le monde est content. Nous, pendant des années, nous avons toujours aimé compagnie ça. Mais ça fait bon bout de temps depuis que eh bien, tout le peuple, particulièrement moi-même, a victime de compagnie ça qui est le Digicel là. Eh bien, là, on met ton 4 sous téléphone, 4 ça, on va le contrôler quand on va jouer. Là, on met le téléphone, on doit parler 3 minutes en téléphone avec le monde pour 3 minutes, ça oblige les gens dans l'époque 5 à 6 fois. Chaque allo dit monde, appel coupé, autant de signal tombé. Pendant 7 ans, 2 jours, 1 jour, on service qui ajouté, 2 jours, 1 jour, on taxe qui mettait sur le monde. Chaque jour, après ramasser l'argent, je dis à moi-même, en tant que président de la commission justice en chambre députée, je n'ai pas le pouvoir pour moi inviter travaux publics pour demander pour marcher avec le directeur Konatel là, lui-même qui doit gagner l'ouvrir sur les compagnies téléphoniques mobiles. C'est peut-être ça. Je vais vous un appel by des commissions dans le Parlement. Commission travaux publics à la Chambre basse et commission de travaux publics à la Chambre haute pour tous deux prendre responsabilité. Je dis à côté que on compagnie toute la journée, au moins par jour, chaque grain de monde dans le pays, a, bon, bon, dit sous 12 millions d'habitants, si tu as gagné au moins 4 millions de monde qui parlent 5 minutes par jour pour équivaler l'argent en compagnie téléphone mobile rentrer dans le grain de jour. Et bien, sous chaque grain de monde, ça la prend 4 illégalement, les mounes, surtout dans sa crée, les mounes, mettez 4 papas d'appla, valait 4 mounes, mettez à, mounes, doit penser le mettre 4 là, chercher 4 là, pas jeune, mounes, étant chargé de téléphone, il vérifie le lui, après 3 minutes, ils font grain appel, ils parlent grain minute, après ça, ils te mettent 250 gouttes, ils parlent en pièce encore, donc bagage ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter yo, et nous demander pour commission travaux publics, chambre députée et commission travaux publics, et sénat, prend responsabilité yo, pour presser, presser, yo éviter ministre travaux publics là, et mandel, pour le marché à directeur et Konatel là lui-même bon côté parle pour lui-même pour le marché avec représentant et bien boîte de téléphone mobile ça que ce soit Digicel que ce soit Natcom. Voilà, on t'a écouté député Clovis Roba lui-même qui t'a parlé sous dossier Digicel qui gagne quelques temps cap tout pisi moun nan prend ti kato. À chaque instant met ton ti kato yo tout passe mail yo prend sous pas gitan fait une petite proclamation là-dedans. Donc c'était député Roba Clovis. Ministère conditions femmes ak droit femmes célébré à mercredi à 23e année existence li. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, un acquis des luttes de femmes à consolider. C'est sous thème ça, responsable d'un ministère, ça a organisé une cérémonie pour marquer et date si là, en présence de plusieurs anciens ministres et directrices générales qui étaient passés dans tête institution ça. Ministre condition femme et nude innocent, déclaré élaboration politique publique qui concernait égalité entre femmes et garçons dans le pays ça. C'est un gros pas ministère lui-même à l'imener pendant 23 ans d'existence li, et puis dans bataille pour droit femmes arriver respectées dans la société haïtienne. Yon extrait dans discours ministre condition femme nan Enid innocent nan micro Wesley Antoine. Ministère condition femme en droit femme ta coupé fâché à l'origine li. Qui toujours appelé li lycéon nan résultat bataille mouvement femme haïtien. Nan divers secteurs, expérience montre nous réflexion à engagement société civile là. Aider société à en pile, dans une orientation pour dériver certains, une série de problèmes sociaux qui ont gangrené le pays.
t'as écouté ministre affaires ministre conditions femmes nan Eunid Innocent. Office national assurance vieillesse on a organisé hier mercredi a une cérémonie pour célébrer tout 52e année existence depuis la ferraille dans pays. Dans discours fait dans occasion directeur général on a chez Snell Pierre qui pas de cacher satisfaction le fait qu'on est on a à travail sous protection et sécurité sociale en dans pays une façon pour assurer jeunesse là à protéger grand mounio pour yon demain meilleur. On écoute yon extrait dans discours de directeur général ONA Chesnel Pierre Namiko Daline Dorival. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il m'est un privilège immense que de partager avec vous l'heureux événement qui nous réunit aujourd'hui à l'auditorium de l'ONU. C'est avec une émotion certaine et en toute humilité que je viens souffler avec vous les 52 belles bougies qui symbolisent l'âge de raison de notre institution. Ensemble, nous sommes réunis dans un élan de ferveur et une joie indicible pour célébrer fièrement le 52e anniversaire de cette institution. Côté directeur général, ONA, ministre Affaires sociales et travail, qui était présent dans la cérémonie, fait qu'on est ONA joué un gros rôle important dans la protection sociale en d'un pays. Ministre Stéphanie Auguste, qui était tout profité rappelé, grâce à ONA, secteur qui est vulnérable dans la société, a traité en priorité ta côté commerçant et femme qui dans la société qui dans situation difficile dans le pays. En côté, yon bout dans le discours ministre Stéphanie Auguste, Namiko Daline Dorival. Chaque année, à pareille date, on se réunit toutes et tous ensemble pour célébrer l'anniversaire de cette institution qui joue un rôle prépondérant dans le système de protection sociale d'Haïti. Depuis la mise en place du gouvernement Moïse Lafontaine, l'Office national d'assurance connaît une nouvelle pulsion. Les consignes du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et du chef du gouvernement, Son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, ont permis de réorienter les programmes de manière à ce que les secteurs de la vie nationale bénéficient du service de l'ONA. Aujourd'hui, plus que jamais, les couches les plus vulnérables, notamment les femmes en situation difficile, les petits commerçants, sont traités en priorité. Pour la première fois, les citoyens de la diaspora haïtienne bénéficient du même service quand ils sont appelés à s'impliquer dans le développement politique, social et économique du pays. En ce moment du bilan également, j'invite le directeur général, les directeurs et coordonnateurs techniques, ainsi que les cadres et employés à examiner une fois de plus le chemin parcouru par l'ONA et d'envisager ensemble les corrections à apporter et les perspectives d'avenir. Journal sans fausse côté. Gros la pluie qui a tombé sous pays à dernier jour ça y est la gros qui a sauté dans l'esprit tout habitant dans ville Saint-Marc dans ça habitant yo mandé autorité concernée pour dire un mot pour yo pour empêcher yo inonder plus détails avec Nazel Dubiton depuis Balatiboni Saint-Marc passé de très mauvais moment gros la pluie qui a tombé sur métropole Balatiboni là parce que le pas moi gros la pluie comme ça qui a tombé sous ville Saint-Marc. Et que si vous dites rien, nous on a bien cette première, nous sommes inquiets pour la mer n'est pas mauvais. Et nous voyons bien à chaque fois la mer est mauvaise, et toujours créer beaucoup de dégâts sous zone de la mer cassée, sous zone de la mer mauvaise, côté qui crée très vulnérable avec la mer mauvaise. Et comme nous mettons machin de sérieux, dans gros risque de dérasquer, c'est presque en dans la mer, si machin de sérieux avance, mais la mer mauvaise qui peut faire beaucoup de dégâts. La zone du vide, c'est pas la tribune, pour signaler ça.
Merci Nazaire Dubiton. Comme nous t'ai annoncé dans titre, yon conflit terrien risque éclater dans niveau lisière qui sépare Haïti à République Dominicaine et spécialement dans commune Cornillon Gambois. Militaire de Dominicain yo nan Descubierta qui nan Neibatou annoncé y a détruit journée jeudi a Clotilde Jardin qui paysan yo même trouvé là dans zone ça d'après information Junior Jean Berto li fait gars li connaît déjà gen délégation qui te chita parler à 12 moun qui c'est majorité militaire démobilisé militaire dominicain te rencontré 19 octobre 2017 là Wilfried Guerrier membre Kazek nan Boucan Carré Boucanpin première section communale nan Cornillon Gambois donc pendant rencontre ça militaire dominicain yo qui te accompagné à quelques civils dominicains et fait connait yo ses propriété mosoté ça paysan yo même yo gen quelques temps depuis yo la donne yo travaille à ti jardin yo. D'après monsieur Guerrier toujours il fait connait militaire dominicain yo yo dit si yo pas retirer quoi yo nan tè sa yo même y a venir y a craser et tout ça yo joint dans sous terre donc c'est ça Wilfried Guerrier lui-même il fait gars connait donc dans sens ça gars lui-même il encourager autorité et haïtienne yo à la population dans commune Cornillon Gambois pour continuer parler avec responsable dominicain yo pour voir comment yo capable résoudre conflit terrien ça donc gars lui-même il fait quoi gestion bonne nan niveau frontière haïtiano-dominicaine pas qu'arrêter dans mes kazek azek ak magistrat pour gérer dossier ça donc c'est un dossier et responsable binational yo même entre depuis ya deschita douechita pour yo gérer dans sens ça gars li même li exhorter gouvernement haïtien spécialement instance concernée yo pour intervenir rapide dans dossier ça pour inviter ministère militaire dominicain yo même yo rivé et touyer ou bien massacrer ti haïtien yo ki nan Cornillon Gambois.